was at the wrong place at the right time. Cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing under the night sky. When you took my hand, said, let's leave now. Don't wanna be shy. I will let my guard down. Don't wanna be... Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va super bien. Je vous reprends pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je compte aménager la chambre d'amis. Je me suis dit pourquoi pas vous embarquer avec moi. Alors voilà, je vais déjà commencer par déballer mon nouvel aspirateur qui vient de la marque Red Road. Alors je tiens à remercier la compagnie pour ces partenariats-là. Donc ils m'ont envoyé un aspirateur, c'est un 2-en-1. C'est un aspirateur qui permet de passer la serpillière en même temps que ça nettoie la poussière et la saleté, ce qui permet vraiment d'économiser du temps et faire moins d'efforts pendant le ménage. L'aspirateur vient avec plusieurs accessoires, il y a 3 brosses de nettoyage. Il y a 2 filtres, donc il y a la station que je vais brancher tout à l'heure. Ça permet au fait de recharger l'aspirateur. Donc l'aspirateur vient avec 3 modes de nettoyage intelligents. Il y a 45 minutes d'autonomie, ce qui fait qu'on peut nettoyer vraiment une grande superficie. Alors voilà, je vais continuer à installer tout ça. Pendant que je vous parle là, j'ai pas encore reçu de code rabais, alors j'essaie vraiment de négocier avec la compagnie pour qu'ils m'offrent un code rabais pour vous, comme ça vous ferez des économies si jamais vous êtes intéressé à acheter l'aspirateur. Dès que j'ai le code rabais, donc je vous laisserai tout ça en barre d'infos ainsi que le lien pour l'achat de l'aspirateur pour ceux et celles qui seront intéressés. Alors là, je déballe tout et puis je vais installer tous les accessoires. Vous allez voir ça en image. Alors j'ai laissé l'aspirateur là pour l'instant au niveau du salon. De toute façon, j'en aurai besoin aussi pour nettoyer le plancher au niveau du salon de la cuisine. Alors je vais l'installer là. Je vais trouver une bonne place un peu plus tard. Je vais trouver une bonne place dans la maison. Alors tous les ménages, je comptais le terminer cette journée-là parce que le lendemain matin, j'avais rendez-vous pour ma manucure, ma pédicure, donc j'allais pas avoir beaucoup de temps. La famille arrivait le lendemain en fait, donc j'étais vraiment dans le rush. Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low. Same time, feel so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine, but I get up, I always do. C'est parti, je vais tester l'aspirateur sur le carrelage. J'ai mis de la moutarde. Alors l'aspirateur est très facile à manœuvrer, il suffit juste d'appuyer une touche pour frotter et il y a une fonction autopropulsive là qui fait en sorte que l'aspirateur avance quasiment tout seul, donc vraiment très très top. Là j'ai mis un petit peu de café à terre juste pour vous montrer l'efficacité de l'aspirateur. Donc ça nettoie en un seul passage, le sol est bien bien propre. Et ensuite je vous montre aussi la suction au niveau de tout ce qui est liquide. Il y avait l'eau par terre au niveau de la salle de bain, donc en un seul passage tout est ramassé. Donc vraiment l'aspirateur est très efficace et ça nettoie très bien. Alors je vais laisser l'aspirateur pour charger. Je vous embarque du coup dans la pièce que je dois aménager en fait. La maison a 5 chambres, donc j'ai 2 chambres dans le sous-sol. Il y a cette chambre là et juste à côté il y a la chambre de mon grand garçon. Et cette pièce là je vais l'utiliser pour mon travail. Là du coup je vais la transformer en chambre d'amis. Alors la peinture avait déjà été faite quand on avait aménagé, donc à ce niveau là c'est nickel. Je vais juste installer les rideaux, donc voilà, j'installe
Les rideaux, j'ai pris des rideaux gris que j'avais déjà d'ailleurs à la maison. Donc voilà, et après j'ai commandé le lit sur Wayfair, c'est une plateforme en ligne, ils vendent un peu de tout. Voilà, j'ai commandé le lit, j'attendais que le lit soit livré. Et là, j'ai reçu le lit, c'est un lit de dimension double. Donc il n'est pas très grand vu que la pièce n'est pas très grande, je ne voulais pas un super grand lit. Un lit de place, donc ça va faire l'affaire. Donc voilà, on a déballé et puis je vous ai épargné le montage. Je veux juste vous montrer qu'on a monté la structure. Et voilà, et ensuite j'attendais aussi le matelas que j'ai pris sur Amazon. Donc si vous êtes intéressé, je vous laisserai tous les liens en barre d'infos. Donc voilà, la structure de lit est montée et les matelas est livré. Voilà, c'était quand même assez lourd là. J'étais vraiment ouf, c'était lourd. Alors j'ai déballé la boîte, c'était pas très facile. Et puis voilà quoi. Donc je vais installer le matelas sur les lits et ensuite on va mettre les draps. Et puis voilà quoi, on va continuer avec la vidéo. You could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should have told you straight away. Alors là, j'ai installé le matelas sur le lit. Du coup, j'attendais aussi la livraison de chez Amazon. J'ai commandé tout ce qui est literie. J'ai dû commander des oreillers. Donc voilà, les livreurs qui viennent en courant, vraiment, ils sont efficaces. Tu commandes la veille, tu l'as le lendemain. Top des top. Alors voilà, c'est livré. Je vais prendre la boîte et puis on va déballer ça ensemble. Alors du coup, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en vacances. Dites-moi en commentaire si vous êtes actuellement en vacances ou si vous avez déjà pris vos vacances. Alors moi, pendant que je vous parle, je suis en vacances. J'ai pris 3 semaines off au mois de juillet là. Là, il me reste une semaine. Donc la famille arrive pendant que je suis en vacances. Et je vais reprendre le travail donc de la maison et je vais essayer de jongler avec la famille et puis mon travail. Donc du coup, laissez-moi un commentaire, dites-moi comment ça se passe chez vous. Comme je vous disais, j'ai pris 4 oreillers que je suis en train de déballer. J'ai pris une parure de lit de couleur blanc et noir. J'ai pris un protège-matelas. Vous voyez, avec le temps, des fois avec la sueur et on ne sait jamais. Donc, ça va protéger le matelas. Donc, on garde toujours un matelas propre au fil des années. J'ai également pris un drap housse, donc drap contour pour le matelas. Alors voilà, et il y a 2 tailles d'oreiller aussi. Je vous laisserai les liens Amazon en barre d'infos. J'ai la boutique Amazon. Vous pouvez trouver tous les articles que j'utilise dans la vidéo. Donc c'est parti, on va faire le lit.
Là, du coup, j'ai installé le protège-matelas, j'ai mis le drap housse, donc ça c'est bon, c'est fait. Ensuite, je vais installer la couette et après, je vais mettre l'été d'oreiller. Voilà, je vais installer les oreillers. Donc, on continue. Alors voilà, j'ai terminé de faire le lit. Je vais juste passer rapidement mon défroisseur à vapeur. Je trouvais que c'était un petit peu froissé, les tissus étaient un petit peu froissés. Du coup, je vais le faire très rapidement. Donc, comme ça, je suis sûre que, voilà, au niveau visuel aussi, c'est très beau. Il n'y a pas de plis. Voilà, donc c'est ma façon de faire. Alors, mon fer à repasser, malheureusement, m'a lâché. Du coup, voilà, j'utilise cette méthode-là pour défroisser ma literie sur les lits directement. Changes everything.
Du coup, là, j'ai terminé au niveau du lit. Je vais faire la même chose sur les rideaux. Je vais passer mon défroisseur à vapeur, pareil, pour enlever les plis. Et ensuite, on va installer en fait les meubles. J'ai deux tables de chevet à installer, donc je le ferai juste après. J'ai terminé au niveau des rideaux, c'est beau. Là, je suis en train d'installer les deux tables de chevet. C'est les anciennes tables de chevet de mon grand garçon que j'ai récupérées au garage. Donc, je les installe là et je vais d'abord nettoyer avec ma microfibre et mon produit Miss Meyers qui sont très bons. Alors, je nettoie ça rapidement. Ensuite, on va passer à la petite déco, quelque chose de très rapide, très simple. Je vais installer les lampes que j'ai depuis quelques années, et puis un petit pot de fleurs, et puis un petit pot de bougies. Et au niveau du mur, je compte installer aussi un petit tableau que j'ai toujours récupéré dans le garage. J'ai plusieurs tableaux que je n'utilise plus. Du coup, là, ça va me servir en fait pour la petite déco dans la chambre d'amis. C'est parti, je vais installer le tableau au mur. C'est un tableau coloré, j'aime bien les couleurs. Je trouvais que ça venait un petit peu rajouter de la chaleur dans la pièce. Voilà, c'est installé et j'aime bien le résultat. C'est super beau. Alors la chambre est super simple, mais vraiment très très reposante, très relaxant. C'est pas encombré. Vous savez que j'aime pas les pièces encombrées. Il y a juste le nécessaire. Du coup, là, je vais passer au nettoyage du sol. Je vais prendre mon aspirateur deux en un. Comme je vous ai dit, ça nettoie en même temps la poussière, en même temps ça passe la serpillière. Alors, ce que j'ai fait, j'ai juste passé le rouleau sous l'eau, question d'humidifier un peu le rouleau. Et je vais mettre de l'eau dans les réservoirs au propre. Donc, il y a deux réservoirs, un pour l'eau propre, un pour l'eau sale. Du coup, voilà, je vais commencer mon nettoyage. Comme je vous ai dit, c'est un gain de temps et d'énergie parce que ça nettoie vraiment tout en même temps. Habituellement, on va passer d'abord l'aspirateur pour enlever la poussière, pour enlever la saleté, et ensuite on passe la serpillière. Avec cet aspirateur-là, on fait du coup la poussière, la serpillière en même temps. J'aime beaucoup. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment facile à manœuvrer aussi. Vraiment, quand on pousse là, ça part quasiment tout seul et vraiment, on a juste à les tenir et puis voilà quoi, passer l'aspirateur.
quand je passe l'aspirateur, le plancher n'est pas très mouillé. Du coup, le sol sèche très rapidement. Comme vous pouvez voir sur les images, ça utilise que très peu d'eau, mais ça nettoie efficacement. The traveling kind, it's a known fact. Yeah, I know that. I hope I'll be your destination. Le plancher est super propre. Comme je vous ai dit, ça sèche très rapidement. 5 minutes, le sol est bien sèche. Alors, ce que je fais après, c'est que je prends mon aspirateur, je vais le recharger. En fait, je vais l'installer dans sa station. En fait, ça permet d'installer, de recharger. Et puis voilà quoi. Donc, là, ce que je vais faire, je vais appuyer un bouton. Ce qui va me permettre de nettoyer la brosse. Ça se nettoie en un seul clic. Donc la brosse se nettoie tout seul. Et aussi la brosse va sécher à l'air chaud, ce qui évite aussi l'humidité et les mauvaises odeurs. Vous savez, quand on laisse la serpillière humide, ça crée beaucoup de bactéries aussi. Donc on peut nettoyer la brosse sans aucun effort. Il se fait vraiment tout seul. Alors c'est vraiment top, vraiment. Alors, la dernière étape que je fais, je vais juste prendre les réservoirs d'eau sale que je vais aller jeter dans la toilette. Donc, voilà, ça a utilisé vraiment très très peu d'eau, comme je vous ai dit. Je vais aller vider tout ça. Et ensuite, j'ai rincé aussi le réservoir, question de le laisser propre, pardon. Et je vais venir réinstaller le tout à la place. Donc, j'ai sorti aussi le rouleau. Juste pour les laisser à l'air libre. Donc voilà, on retourne dans la chambre. Je vais allumer les lumières. Je vais installer la petite bougie rose que je vais du coup allumer pour avoir une bonne odeur dans la pièce. Ensuite, je vais prendre un petit vase avec la plante d'eucalyptus que je vais installer sur l'autre table de chevet. Et voilà, donc une déco très simple, vraiment. Moi, je trouve ça très cute. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, je vais vous laisser aussi avec le petit tour. Du coup, la vidéo tire à sa fin. C'était un plaisir de vous retrouver une fois de plus. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.